je baisse la tête, je fonce. Et au moment de tirer, je vois que le gardien me facilite la tâche. Donc il est couché déjà, donc j'ai juste à ouvrir le pied. Et puis, moment de gloire, hein. Le fait de voir les supporters, la famille se lever, les joueurs heureux, contents, ça m'a procuré beaucoup de joie, beaucoup de joie. Ça donne des idées, hein. Donc après, maintenant, on va jouer contre Grenoble. Voilà, une bonne équipe, haut de tableau du National. Bon, après, voilà, on va venir ici, on va passer ses marchés dessus. Alors, dans ça, il y a des petits trésors ? Ouais, il y a quelques petits souvenirs à votre demande des quelques saisons que j'ai passées à Grenoble. Tout d'abord, le maillot très important, puisque c'est le maillot de la montée lors de la saison 99-2000. Le maillot après, une fois qu'on était en Ligue 2, le maillot officiel, voilà, qui n'a pas trop changé. Et ensuite, pour finir, un petit clin d'œil à la Coupe de France, puisque on a eu la chance à Grenoble de faire un quart de finale contre 3, avec comme souvenir une écharpe que j'avais gardée et que j'ai retrouvée dans mes cartons. On avait éliminé Saint-Étienne, on avait éliminé Sochaux avec des grands joueurs. C'était l'époque de Fro, Pedretti pour Sochaux et Aloisio qui était à Saint-Étienne. Donc en plus, pour nous, ça représentait un derby. Voilà, c'est des moments de pur bonheur en Coupe de France. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. On a battu Fleury, ouais. On a gagné donc là-bas 1-0, et donc là on joue les 16e de finale, mercredi. Je souhaite gagner. Bah écoutez, ça c'est notre gardien, Paume, c'est Dominique, voilà. Les moments de bonheur, il faut les partager avec tout le monde, parce que le foot avant toute chose, c'est pas l'argent, ça c'est clair, c'est la passion. Et ce moment qu'on est en train de vivre, il faut aussi revenir un peu à des choses un peu terre à terre, hein. On ne crée pas d'emploi, mais par contre on crée du bonheur. Et c'était intéressant de partager ce bonheur avec les résidents de la Roselière. Ouais, la pression, oui et non, c'est vrai que. La pression, on la laisse pour ceux qui boivent la pression, comme on dit. Nous, on préfère venir s'éclater au vestiaire, venir une heure avant pour se retrouver tous ensemble, justement pour évacuer cette pression négative. C'est quelque chose qu'on aime, la Coupe de France. Depuis petit, on regarde les matchs de Coupe de France. On se dit pourquoi pas nous. Aujourd'hui, on a la chance d'être en 16e, pourquoi pas en 8e. Tout est possible encore et tout va se jouer sur 90 minutes, voire 120 minutes, et mercredi prochain, quoi. Voilà, et ça, il prend la place. Julien, réveille. On a été beaucoup félicité par rapport à ce match-là, mais maintenant, on va passer dans la compétition et je pense que tout compétiteur qui se respecte doit faire le maximum pour essayer de passer ce tour-là. Évidemment, on sait que ça sera très compliqué face à une grosse, grosse cylindrée de National qui, pour moi, je le répète, est plutôt une équipe de Ligue 2. Mais on va se donner tous les moyens pour essayer de passer et d'essayer, avec le minimum de chances qu'on a, on va essayer de le faire et créer un nouvel exploit. C'est bon, c'est parti. Là, c'est en une. Largeur. Non, c'est largeur ici. Allez, go. Vas-y, continue.